déjà fait. Bien sûr, rien n'est droit, donc c'est un vrai plaisir. Et ensuite, du coup, j'ai déjà commencé l'encadrement. Partout, ce sera bleu. Donc, quand j'aurai fini le jaune, après, il faudra que là, tout le long, je rescotche. Donc, ça, ça va, pas grand-chose. Pour que tout ça, ce soit bleu. Pour dégager les angles, ça fait très blanc alors que c'est pas du tout blanc, c'est crème légèrement jaune. Bon, allez, je vais le faire sérieusement. Une heure et 15 minutes plus tard. Ah, avec le contraste et la lumière, du coup, on perçoit un peu plus. Et voilà, faut que ça sèche. Là, on voit bien la différence. Pas vraiment jaune, c'est crème. Et le bleu, avec... ça va trop bien ressortir. Trop content! Tellement bien appliqué, j'ai tellement appuyé pour être sûre que ça déborde pas. Travail de qualité, bordel à retirer. Il va falloir faire des retouches.
qu'on voit sur les vidéos, c'est pas vrai. Le scotch il part pas comme ça. C'est parti pour le bleu. On dégage les angles. J'ai doublement scotché pour ne pas avoir à rattraper. On voit la différence. A priori, une fois qu'on a fait son trait, un bon cutter, il faut deux coups de cutter bien appuyés et péter. On va tester. J'ai peur. C'est vrai? Je suis trop fière de moi. La précision du mur qui est pas droit. On l'a oublié celui-là. Voilà. Bah du coup c'est reparti pour une découpe.
que tu fais? Bon, voilà. Au moins, il me reste des mini découpes avant d'entamer le couloir. Atelier plainte. Du coup, pour commencer à découper juste ça, pour l'angle là-bas, ça va être le premier essai. Ça me désespère. Ici c'est très bien. Les angles sont pourris. Du coup, bah ici on mettra du silicone. Donc là j'ai mis du double face parce que c'est une chambre de bébé, que c'est moi qui ai choisi les couleurs et que sans doute que d'ici 4 ou 5 ans, bah, Aloïs, il n'aura peut-être plus de ces couleurs-là. Il aura ses envies et ses goûts. Donc, on s'est dit qu'on voulait quelque chose qui puisse s'emmêler. Merci papa pour les conseils. Et comme rien n'est droit, on est obligé de mettre des joints sur les angles pour rattraper et quand même quelques clous. Parti. On dirait une espèce de tulle gras, très bizarre. C'est pas bien, hein. Les enfants ils n'ont pas le droit de faire ça. Je tape avec les pieds. Grâce au mur pas droit, puisque là on voit bien l'écart. Voilà. Donc je vais faire comme j'ai fait pour ici. Je vais raboter et du coup je mets du joint.